le col du Passon, 3050 mètres. Bravo, monsieur l'Hermine. On est à 1000 mètres de dénivelé, là, pas loin. Moi, je ne participe pas à cette vidéo. Ah, t'es déjà dedans. Bon, je participerai plus tard. C'est magnifique. Entre le ski de rando et l'alpinisme. Ah, et bah, avec le piolet, c'était quand même mieux que les bâtons. Hein. Ouais. Ah, ouais. Je suis d'accord, il fallait le piolet. Ah, les bâtons, c'était. Les bâtons, je les ai raccourcis du coup. La corde, merde. Bon, effectivement, regardez là, on a quand même un pas qui est assez vertigineux. Hein. Je sais pas si on voit avec le zoom, voilà. Au milieu de l'image, il y a un ski. Voilà, je dézoome. Voilà. Et ben, c'est le ski de notre guide. À quoi ça sert d'être guide? Ah, il fait pas le malin. Et il va devoir aller le chercher alors que c'est pas du tout sur la trace, parce que comme on le voit, la trace. Il y a déjà quelqu'un qui est parti là, qui est en train de faire son chousse. Et le refuge, il est tout là-bas. Voilà, après une nuit à 3200 mètres au refuge du Trian, nous voici dans le glacier du Trian, un endroit absolument magique. Et voilà pour notre deuxième jour, conditions magnifiques, on fait la trace. Et on espère éviter les crevasses, ça c'est pour faire la rime. Tu t'écartes de la trace, c'est toi qui risques la crevasse. Ah, est-ce que tout le monde a enlevé sa petite peau là? Sa petite peau? Peau de quoi? De phoque? Non, pas toutes. Pourquoi tu fais un tuto sur les peaux? Ouais. Avant la descente. 2000 mètres de dénivelé. Non, la super poudreuse. Super poudreuse. On a fait comme hier. Toi, on tente quand même à gauche. Allez, on est à gauche. Fais-nous Ouba Ouba, Benoît. Attends, attends, que je me rapproche. Ouba, Ouba, Ouba. Ben voilà, on fait des belles traces, hein. Comme quoi les remontes de pente, ça sert à rien. Bon, on attend qui là? Philippe. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Alain, Philippe, Bernard, il est là. Là on skie le long du glacier, c'est vraiment très beau. C'est beau là hein. Est-ce que t'en dis François? Ouais. Beau hein. Ils sont beaux ces séracs. Ouais. On va pas trop être dedans. Mais tant mieux. Cours de
cours de Noches, c'est donc ça? La queue de vache, c'est juste une boucle que tu repasses sur elle-même. Elle est un peu... Allez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Encordement. Et en fait, on va monter là. Une belle petite montée pour passer le col et ensuite on descend sur Champex. Bon, François qui perd ses crampons. Monte pas trop, monte pas trop. Ouais. Allez, tu peux le tenir dans la montée, je le tiens. Et en bas, ça se passe bien. Ouais, bah attends, ça monte. Attends, il... Et voilà, troisième jour, premier col, partie de la station de Verbier. Et ça monte, ça monte, ça monte, pour arriver, eh bien, au col. Avec des crampons et un pulley. Allez, ça roule. Ça roule, ça roule. Est-ce que le compteur de kiffitude est au max là? Ouais, quand même, hein. C'est pas dégueu. Ah, le Mont Cervin, on le voit là-bas, là. Attends. C'est lui, c'est le Mont Cervin, là. Et monsieur le guide, pour la vidéo, on est où, alors, là? Trou du cul de ta mère. Trou du cul de ta mère, d'accord. Et là-bas, il y a coulé du grand bronze, aussi, non? C'est pas ça? Camarade. Camarade syndiqué. Toujours plus haut. Toujours plus haut. La gaffe aussi. Putain, on est bien là. On va planter la tente en fait. Oh le bonheur! En fait... Ouais, une gamelle! Bravo Steph! J'avais oublié d'appuyer sur play, j'ai skié comme un con avec mon téléphone. Oh putain, si c'est bon ça! Ah, c'est bon, hein! Ouais, à manger! Youhouhou! Et là, on fait quoi? On fait le pique-nique, c'est ça? Voilà. Un petit pique-nique, ouais. Pas trop long, parce que plus on attend, plus ça va être pourri en bas. Mais... Bon, d'accord. Bon, ça va, Philippe? Ouais, c'est très très dur là. La grosse patate. Virage. Grosse patate. Petit virage séché, c'est vrai. Allez, départ au petit matin. Pour le quatrième jour. On est content de partir à 6h30. Chaud, c'est chaud. Une nuit de merde. Ah, t'as ronflé? Non, c'est les autres. C'est les autres, parce que toi, non. Et voilà, on longe le lac des 10.
magnifique traversée, hein. C'est très très beau. Wouhou! Oh là là, magnifique! Et le soleil qui se lève derrière la montagne. Ah Bernard! Magnifique image! Magnifique image! Bonne journée! C'est beau, hein? Ouais, magnifique! Bon Steph, alors on apprend plein de trucs quand on fait du ski de rando. Et moi j'en ai un, c'est ma petit trick, c'est que bah, les chaussettes elles tiennent debout toutes seules, regardez. T'as et ça, dans la vie normale, on voit pas souvent. Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Ils sont beaux, ils sont beaux. Quel décor magnifique. Et nous attendons Bernard et François qui viennent de mettre les couteaux parce que là ça commence à monter. Cinquième jour et nous montons à la Pigne d'Arola, 3800 mètres. On n'y est pas encore, hein. Mais quand même on a la belle vue. Magnifique. Et vertigineuse, hein. Ouais, ça monte, ça monte. Tranquille. Ah, on a un cadre magnifique. 3577 mètres. Fantastique. Ah ouais. Bravo, bravo à tous là. Merci. Voilà qui a bien dormi cette nuit, hein. Une nuit extraordinaire, je vous conseille. Still Nox. Still Nox. Steel Nox, 4 premières heures, hein, frère. Vous pouvez écouter les ronflements des autres. Et Benoît aussi, Steel Nox. Ouais, prenez la drogue d'Alain, ça marche mieux. Regarde ta hanche, là. La hanche, elle a pas de piquette, là, pour l'instant. C'est pas que tu mets la drogue d'Alain, ou c'est bien? Ah non, non. C'est beau. Il n'est pas assez souple.
Ouais, ça va, tu sors. Non. Bon, après, c'est il dans c'était il y a quoi, une heure. On n'aime pas, ouais, ouais. Une heure. Et là derrière, là, ça va Steph? Ouais. Ouais, il y a du monde, hein. Voilà, on est bien. Le Mont Cervin, il est magnifique. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ah non, on n'est pas au col. Le col du Fémur. On a passé le col de Valpolite. Le col de Valpolite, c'est ça. On est à la tête de Valpolite. Bon, et qu'est-ce que tu dis, Benoît, toi, de cette montée? Magnifique, hein? Montée incroyable. Il paraît que c'est le plus beau belvédère des Alpes ici. C'est sans conteste un des plus beaux. Un des plus beaux, d'accord. Et toi, Philippe, t'en penses quoi? Je pense que je ne vais pas sur un décor comme ça. C'est bien bon. C'est bien bon. C'est bien bon. Et la montée, c'est bon. Bon, allez, mais la descente, ça va être bon aussi, les gars. Sur Zermatt, dernier jour, sixième jour avec un Sérac magnifique. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. J'ai pas le Cervin dans le pays. Et comme tu dis, je vais dézoomer. Le Cervin, magnifique. Et la Dent des Reins, elle est belle. Elle est belle, la Dent des Reins. Et voilà les fameuses crevasses dans lesquelles ben, on va essayer de ne pas tomber, quoi. Et voilà, nous sommes sortis du glacier en direction de Zermatt avec une piste assez sympa. On s'est bien régalé sur la descente. Et voilà, bah, c'est la fin du coup hein, de notre périple. Fin du sixième jour, on va retrouver le taxi qui va nous ramener à Jean-Pierre en passant par Sion pour récupérer Christine à l'hôpital. Voilà.